Bon bah bonjour à vous tous. Hein. Donc pour les personnes donc qui sont pas au courant, donc par rapport à l'action qu'on faisait pour de Nolan, hein, donc vous n'êtes plus Nolan. Pardon, excusez-moi parce que je suis un petit peu perturbé moi aussi. Nolan n'est plus de ce monde, hein, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Hein, donc par rapport au décès de Nolan, mais c'était pour dire que l'action continue. Pourquoi? Donc en accord avec Karine et Stéphane, donc les parents de Nolan, donc plus que jamais, donc on va comment faire le périple. Tout est gardé exactement comme c'était. Donc d'une pour parce qu'il y a d'autres petits Nolan, hein, donc qui ont la maladie. Donc ça veut dire que tout l'argent récolté pendant ce périple iront directement donc à l'association Ensemble pour Nolan. Et c'est les parents qui décideront de dispatcher après la somme récoltée pour qui bon sang, je pense que ce sera pour certainement les maladies rares. Hein, donc on laisse la responsabilité, enfin et le choix qui est normal aux parents de décider eux-mêmes où ils iront. Autrement, donc pour vous dire, je voulais remercier donc tous les médias qui nous suivent en ce moment, hein, et les partenaires. Donc tout le monde est OK de continuer ce périple. Alors je pense que on est tous un peu tristes, mais moi je personnellement j'ai une chose que j'ai dans ma tête, c'est le sourire de Nolan, et ça je vais le garder pendant les 5 000 km. Hein, donc on a plein de choses à faire. Comme je dis, on fera en sorte pas de profiter de l'événement de Nolan, hein, qui nous regarde de là-haut, hein, donc pour parler du handicap, pour parler des maladies rares, de faire comprendre nos politiques, le combat des parents qui sont seuls et puis qui sont obligés d'aller très loin pour soigner leurs enfants. Donc battons-nous et puis faisons en sorte que ça bouge. Hein, et plus on dira le mot handicap, meilleur c'est. Et puis, écoutez, vous pouvez compter sur moi. Donc, mesurément, parce que le but, c'est pas de mettre la tête dans le guidon, hein, c'est aussi de lever la tête et de penser donc à Nolan et puis à penser à toutes ces familles qui, au quotidien, comment dire ça, se battent pour la cause de leurs enfants. Hein. Je pense que plein de gens autour de moi que je connais, et chapeau à toutes les mamans qui se battent au quotidien, hein, donc sans citer de nom, et je trouve ça magnifique. Donc vous pouvez compter sur moi par l'intermédiaire des médias et des partenaires, et tout le monde suit. Et puis chapeau, on y va, et on fera dans la fête aussi, parce que ça fait partie aussi de ça. Hein, donc ça veut dire que nous, on a la chance d'avoir la santé, donc profitons-en. Hein. Nolan, me donne une force pas possible mentalement. Ça veut dire qu'il me donne du recul, il me donne une sagesse. Et Nolan, pour toi, j'irai jusqu'au bout. Sans parler de jouer la personne bête, la tête dans le guidon. Mais franchement, il y a un grand, grand message par ton intermédiaire à passer pour le handicap. Et essayer de voir le handicap sous un autre angle. Et tous se serrer les mains parce qu'on a la chance, nous, d'avoir la santé. Bon, ben moi, je suis sur mon vélo, là. Je continue parce que ces derniers jours, bien entendu, je n'ai pas fait de vélo avec toute la tempête qu'il y avait. Hein, c'était pas le moment non plus de provoquer les choses. Hein, donc aujourd'hui, il fait 11 degrés à Langon, là. Je suis dans la forêt, là, et c'est sympa parce que c'est beaucoup de forêt sur Langon. Et puis, il fait 11 degrés, donc c'est du beau temps. Qu'est-ce que je veux dire autrement, Jean, je te remercie. Hein, c'est autrement ce que je veux dire. Si vous voulez rediffuser l'action qui s'appelle Gibraltar 2017, hein, donc n'hésitez pas à divulguer au maximum, pour faire connaître la cause de Nolan, la cause des maladies rares, la cause du handicap. Je regarde, moi j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure d'Aurélien, des glycines qui sont prêts, et puis c'est pareil, hein, c'est un milieu du handicap, et n'hésitez pas non plus à comment aller sur le site des glycines, voir comment que ça se passe au sein d'un centre handicap, hein, parce que au quotidien, il y a des gens qui se battent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors serrons-nous les coudes et puis on y va. Bon, écoutez, je vous dis bonne journée, puis je vous tiens au courant de la continuité du périple et puis le départ. Et puis je compte sur vous pour passer le relais pour faire connaître cette action qu'on a envie de mener jusqu'au bout. Allez, bon courage et puis surtout bon courage à Karine et Nolan et à ses enfants dans ce moment difficile. On est avec vous et chapeau, 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 chapeau les parents. Allez, à très bientôt. Merci.